tout le monde, c'est Finxia, on se retrouve donc aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Do You Even Craft. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça super, je risque de laguer un peu par contre, j'espère que ça va pas être trop lagué, mais bon, on fera en sorte que non. Du coup, c'était le Rabbit Stew à Craft. Déjà faudrait d'abord qu'on trouve du lapin, je ne sais pas où il est, sûrement vers la cuisine j'espère. J'ai quelques coups de lag, je suis vraiment désolé. Si je vois que je lag vraiment, bah, je retesterai avec un autre logiciel. Enfin, avec l'autre logiciel, devrais-je dire. Avec OBS Studio au lieu d'OBS normal. Du coup, qu'est-ce qu'on a là? Eggs, sugar milk. Donc, non, non, non. Je pense qu'il doit y avoir du lapin quelque part. Non, non. On va prendre ça. Au cas où. Non, il n'y a pas de coffre en hauteur. Ice. Là, avec des yeux, ouais. Ok. Je sais pas où sont les lapins. Ah si, je pense savoir. Je pense savoir. Ouais. Oh, rabbit. On va prendre tout. Attendez. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? On a pris des carottes au cas où. Il faut que je fasse les bols. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir besoin qu'il y a là-dedans? Rien du tout. Ok, alors attendez. Les champignons, on peut pas les récupérer? Non, non. Non plus. Même avec ça, je pense pas que je peux récupérer. Non. Ah si, avec ça là, avec le slicer. Ok. Donc tac, il nous fallait ça. Après, il nous faut des pommes de terre. J'espère qu'il m'en restait. Oui, en plus elle est cuite déjà. Du coup, il faut qu'on fasse des bols, donc il me faut de l'argile, je crois. Ah non, c'est des planches. Pff, boulet. Je suis un boulet. Je suis un boulet. J'ai plus de charbon. J'ai plus de charbon, les amis. Bon, ben, on va faire cuire avec ça. Et de toute façon, il nous en faut qu'un seul. Ah, mais oui, si je mets dans le blast fornade, ça va pas le faire cuire forcément. Hop, hop. Tac, voilà, on a le cooked rabbit, on a la pomme de terre, on a le champignon, on a les carottes, normalement. Il nous manque juste le bol. On
Voilà, hop, hop. Le baked potato, le champignon, le mouton et la carotte. Yes. Rabbit stew. Ça va, on commençait plutôt soft. Et du coup là en fait on en est au niveau 31, donc 31 à 40. Level 2, leather. Du cuir, donc là il nous... Là c'est plutôt... là c'est le plus simple à faire. Parce que pour faire du cuir il nous faut tout simplement le cuir de lapin en gros. Et je crois que c'est tu mets 4, 4 trucs de lapin pour faire un cuir normal il me semble. Si je dis pas de bêtises. 1, 2, 3, hop, 4, 5, hop, on va juste prendre ce qu'il me faut. Normalement, si je fais ça, ouais, ça va encore. C'était pas très compliqué, les amis. Allez, on remonte. Voilà, après un cristal. Oh. Pour faire un cristal de land, je sais pas. Je ne sais pas. Le cristal de laine, je suis sûr déjà il nous faut les yeux, enfin les, oui les yeux du coup de laine, ça c'est sûr. Ok, donc il nous faut un œil. Ouais, use for some kind of crystal. Ok, il nous faut une arme de ghast. Je pense que ça, c'est en allant dans leur nether. Ça doit être dans un des coffres. On va aller voir ça. En fait, en soi, c'est pas très compliqué à faire. Il n'y a pas un coffre ici? Ah, celui-là. Yes, l'arme de ghast. Ok. Et il nous faut donc du verre. Donc pour ça, il faut qu'on fasse fondre du sable en haut. Avec notre super pelle, on remonte. Tac, il nous faut donc 7, ouais, 7 sables. 2, 5 et de 7, hop. Allez, hop, fournace, on va faire fondre. Comme on aura besoin de plus. On va en prendre un peu plus comme ça. Voilà. Tac. Ah, attendez. Tac, tac, tac. Allez, du coup, on va attendre que ça fonde. Allez, plus que une vitre à faire fondre. Hop, parfait, on a les 7 vitres. Du coup, on a dit les vitres comme ça. Tac et tac. Voilà, on a l'âne cristal, parfait. Parfait, parfait.
Hop. Diamond Sword, Sharpness 5. Ouais, d'accord. Donc on a l'épée en diamant déjà. Mais il faut juste qu'elle soit Sharpness 5. Donc je crois que j'ai fait une boulette. Parce que regardez, on a une épée en diamant, sauf qu'elle a fortune 3. Donc je crois que j'ai fait une petite boulette. Ok, donc là c'est là où il y a les bois. Ouais, là il y a juste les bois. Je sais pas s'il y a moyen d'enlever un enchantement sur une épée. Où est l'enclume? Ah, si, repérer des enchantes. Voilà, on a pu enlever l'enchantement. Et du coup, où est l'enclume? Doit y avoir une enclume quelque part. Mais elle est où? On va retourner voir là-haut. Enfin, je l'ai pas loupé ici, non? Repérer des enchantes. Si je fais ça, plus. Ça non. Donc il me faut vraiment. Non, pas une table d'enchant, en plus je suis bête. Une enclume. Il n'y a pas d'enclume. Non, mais il doit forcément y avoir une enclume. Fais ça, évidemment, ça va pas me proposer du fortune 3 du Sharknet 5, donc non. Où est l'enclume? Aïe, se trouve, je suis aveugle depuis tout à l'heure. Je passe devant. Je parie que c'est pas avec ça qu'on peut faire. Non, ça c'est quoi ce moqueur non plus. Où est l'enclume? Il y a forcément une enclume quelque part. Bah oui, là. Ah, trop court. Aïe. Si je meurs là. Allez, faut qu'on monte ici. Je suis peut-être allé trop. Donc on va descendre un peu d'un étage. Voilà. Hop, on fait remonter ça. Forcément à chaque fois. Allez, c'est pas grave. Fallait que je m'en doute de toute façon. Voilà, hop. Allez, on passe là. Tac, plus tac. Sharkness 5, on est good. Hop, on descend rapidement. Parfait. Level 35, potion of fire résistance. Ça, on retrouve un peu les crafts de Minecraft de base. Genre là, les potions de fire résistance, c'est pas très compliqué. Du coup, les trucs de potions, c'était là. Sauf que je crois qu'il n'y avait pas les vitres. Ouais, c'était une glace. Très utile ça. Milk et les cakes. Du coup, attendez, on va redescendre là. Aïe, à la table de craft. Histoire de se faire des fioles.
Ah, je peux pas avec cela. On va quand même regarder qu'il n'y en avait pas déjà. Mais je ne pense pas. Je ne pense pas que dans les trucs de potions, il y en avait déjà des shells. Il y a juste des Dragon Breath. Ok. Il y a que celui-là où il y avait des trucs. Plus de ça, il n'y a même pas de Blaze Road. Du coup, faut qu'on aille vite fait aussi dans la cave. Non, c'est de l'autre côté. On aille dans le Nether vu que je crois qu'il nous faut de la. Des poudres de Blaze. Et des trucs de magma. De Blaze Road là. Hop. On va tout prendre. Into fire. Potion fire résistance, mais il me fallait de la truc de magma, non? Attendez. Juste prendre un petit charbon. Là. Tac. J'ai pas l'habitude des potions, c'est pour ça aussi je m'y perds un peu. Hop, on va faire fondre ça. Du coup, je reviens. J'ai fini le temps que ça fonde et je vous retrouve tout de suite. Heureux tout le monde. Donc, en fait, j'ai découvert qu'on ne peut pas avoir de magma cream, mais on peut la craft et ça, je ne savais pas. Et pourtant, c'est pas très compliqué. On va remonter du coup. Hop, il y a du slime là. Faudrait qu'on arrive à le casser. Sauf que c'est trop petit. Hop, si je monte sur ça. Tac. Sauf que c'est moi où ça l'a cassé. Ça l'a cassé sans que je puisse le récupérer. Super. Là où il y a là-bas. Hop. Ah si, il était resté en haut en fait. Tac, voilà, donc en gros si je fais ça, tac, hop. Faut qu'on fasse ça comme ça, tac, 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 tac. Et voilà, ça je ne savais pas, c'est nouveau pour moi. Je sais pas depuis quand on peut faire ça, mais moi depuis que tant que j'y joue, bah je ne savais pas. Non, là c'est les bannières, donc c'est là-bas, nous, ça nous intéresse. J'ai déjà mis les fioles en place, on a juste à mettre le reste, tout simplement. Hop. Non, pas là. Toi, ici. Hop, on met une Nether Wart ici. Et après, on va mettre la Magma Cream. Allez. Awkward potion. Évidemment, on n'en prendra qu'une pour aller valider l'objectif. Les autres, on les laissera là-dedans. J'espère juste que ça va pas nous dire de faire une autre potion. Ok, donc potion of fire résistant avec le petit equipment local brewery. C'est parfait. Non, c'est de l'autre côté qu'il faut qu'on aille là. Voilà. Hop. Allez, on va aller le cocher. Et on passe au 36 Lingering Potion of Arming. Super.
Ça, je pense, c'est les trucs que je ne connais pas. C'est quoi en fait? Il nous faut une potion de arming. Une potion de arming, c'est avec un œil fermenté et une potion de poison. What the fuck? Ok, donc normalement un speeder high, il doit en avoir, je pense. Non. Non plus. Non plus. Ah. Ça c'est ballot. Attendez. Ok, re. Donc j'étais chercher un champignon. Un mushroom marron. Pour faire ça. Du coup j'ai aussi une pastèque. Du coup, on a dit que c'était ça, sucre et ça. Yes, comme ça, on a l'œil fermenté. Du coup, tant qu'on était en bas pour les crafts, du coup, on va faire la pastèque en gold. Avec ça, hop. The fuck? Que c'était avec les nuggets. Je suis nul avec les crafts comme ça, moi. Hop, on va tenter avec ça. Voilà, hop. La pastèque et hop. Ouais, voilà, c'est comme ça. Tac, parfait, on a. Il faut non, on n'a pas ce qu'il faut parce qu'il faut que je refasse fondre du sable. Du coup, bah, je refais une ellipse et je vous retrouve donc dès que le sable aura fondu pour avoir des fioles. Re donc, ça y est, j'ai les trois blocs de verre. Du coup, on va pouvoir faire les fioles. Non, la table de craft elle est là, couillon. Tac, tac, tac. Hop, voilà, on a les trois fioles. On va pouvoir remonter là-haut. Hop. Allez, 1, 2, 3. On va en mettre qu'une. Je me dis, ça pourra peut-être servir si. S'il faut. Hop. Tac, tac. Hop. Parfait. Tac, hop. Poser un peu des trucs là-dedans, genre ce qu'on a plus besoin, on n'a pas besoin de l'épée. Ça. L'observeur, le rabbit stew, le leather, les activateurs rail, délai, hop. Alors, c'en est où? Donc, ça a fait le quark potion, hop, on met ça. Ça va faire une potion de heal qu'on va faire devenir en instant damage. Tac, voilà, on a la potion de heal. Non, c'est l'œil fermenté qu'il faut qu'on mette. Voilà. Potion de arming. Donc avec ça, on rajoute une gunpowder, tout simplement pour que ça fasse devenir une potion de splash. Hop, you need mint avec le dragon breath.
Tac, voilà, on a la splash et on rajoute donc le Dragon Breath pour faire en sorte que ça devienne une lingering. Normalement, ça doit être ça. Allez, verdict. Yes, lingering potion of arming, c'est good. Parfait, on va pouvoir aller valider cet objectif et passer au craft numéro 37. Allez. Parfait. Level 37, stone cutter. On doit le fabriquer nous-mêmes cette fois, sachant qu'on en a deux sur place. Du coup, ce qu'on va faire en premier temps, c'est qu'on va tout simplement poser les choses qu'on a plus besoin, genre les potions. Tac, tac. Ok. En soi, c'est pas très compliqué à faire. On a une stone, il nous en faut deux autres. Il nous faut... Est-ce qu'on a du fer? On n'a plus de fer? Si peut-être dans... Mince, désolé. Petite trompée de bouton. Yes, on en a pile un. Ah, on a plus de charbon. Elle est où ma pioche? Ah, elle est là. On va récupérer juste un peu de charbon. Au moins un, voilà. Tac. Pour que je puisse faire fondre les deadstones. Ah, mais c'était encore là-dedans. Allez, on fait fondre. Tac, parfait. Hop. Voilà, on a le stone cutter. Pas très compliqué à faire. Hop. Level 38, loom. Quoi? C'est quoi ça? Loom. What? C'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. En français, c'est... Ah, métier à tisser. Ok. Et comment on fabrique ça? Comment on fabrique ça? Je sens qu'on va du coup en avoir bientôt besoin. Oh ouais, d'accord. Deux bois de ficelle. Ok. On revient sur vraiment des trucs assez simples. Pourquoi j'ai coupé de la ficelle alors qu'à mon avis, j'en avais quelque part. Ouais, non, c'est de la cobweb qu'on avait. C'était de la cobweb qu'on avait. Et dans l'autre, non plus. Donc, parfait. Hop, et hop, on a deux de ficelles. On a assez de bois pour le faire. Pas très compliqué parce qu'il faut juste mettre deux trucs comme ça. Et deux de ficelles ici. Voilà, loom. Franchement, j'ai l'impression que c'est de plus en plus simple. Hop, on va aller valider l'objectif numéro 38. Voilà. Objectif 39, lectern. Lectern. C'est quoi ça encore? Encore un truc que je ne connais pas. Ok, donc c'est là où t'as entreposé le livre en gros qui est sur le côté. C'est ça en gros, le lectern. Ah oui, en parlant de ça, au dernier épisode, je l'ai lu jusqu'à la fin. Il y a eu Herobrine à un moment qui est venu. Il m'a pas tué, mais bon, ça fait flipper. Je le referai pas, honnêtement. Donc il faut des dalles et une bibliothèque. Il faut une bibliothèque. Ouais, donc il me faut des livres et du bois. Des livres, à mon avis, il faut casser une bibliothèque pour en avoir. Est-ce que je peux casser les bibliothèques? Puisqu'à maintenant, j'ai pas de livres.
Non, et là-bas non plus, je pense pas. Ah non, mais c'est encore mieux, j'ai directement une bibliothèque. On a du bois sur nous, donc on peut le faire à mon avis directement. Oh, mais c'est trop simple. Du coup, faut qu'on en refasse. Hop, hop, hop. La bibliothèque, tac, et une dalle tout en bas. Voilà, lecterne. C'est trop simple. Hop, allez, on va aller valider l'objectif. Parfait. Et le dernier objectif du jour, un baril. Un barrel. Ok. Ça c'est le genre de truc que j'ai plus de facilité à faire parce que comme je suis sur un serveur avec des collègues, bah disons que c'est simple à faire. Donc est-ce que j'aurai assez de bois? Non. On va juste prendre un petit peu plus de bois. Tac, voilà, ça devrait suffire. Alors, tout simplement, une table de craft. Pour faire un baril, il faut faire tac, 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 tac. Et tout simplement mettre des dalles. Comme ça. Non, j'ai oublié un truc. Ah, oui. Ok. Petite erreur de ma part. Voilà. C'est mieux comme ça. J'avais mis trop de dalles que prévu. Et hop, on va aller valider l'objectif, les amis. Tac, et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et un commentaire. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.